Gros, ici Elvino. Elvino? Oh. Elvino? Moi, j'aime pas ça. Ah, Jim Henson, vous savez, le créateur des Muppets. D'ailleurs, toutes les popettes que vous apercevez dans mes épisodes, c'est moi qui les ai créées. No way! Ouais! Mais c'est fantastique, hein? Pouvez-vous créer une popette à mon effigie pour 40 beaux dollars? Pour 40 piastres, je peux faire ça. Vous êtes en train de me dire que c'est très peu cher payé pour un artiste capable de créer une marionnette de toutes pièces et qu'il faudrait plus de... J'essaie de faire passer un message, là. Déjà que la scène est assez absurde comme ça, relève-toi et termine ta phrase. Mais termine! Hey! Y a-t-il un docteur dans la salle? Docteur? Oui, parfaitement, monsieur. Je suis médecin. Vous étiez pas une marionnette livreur dans le dernier épisode, vous? Et j'ai eu le temps de terminer mes études. Allez-y! Très bien. Allez, sauvez ce type. Il a une phrase à terminer. Je ne peux plus rien faire pour lui. Vous êtes en train de me dire qu'on saura jamais ce qu'il voulait nous dire? Mais c'est terrible! Merci, marionnette de docteur! Mais de rien! Où en étais-je? Ah oui, Jim Henson, un des films cultes. Cul? J'ai dit culte. Cul? J'ai dit culte. My bad, my bad. Un des films cultes qui a bercé mon enfance est Labyrinthe. Jim Henson, creator of the Muppets, and George Lucas, creator of Star Wars, take you on a dazzling adventure. There's nothing to be afraid of. Turn back, Sarah, before it's too late. Avec des popettes à main. Des popettes avec des nains. Des popettes avec des humains à l'intérieur. Et le grand David Bowie. Et son sac! Qu'y a-t-il dans son sac? Eh bien oui, je vous le donne en mille! C'est boule magique! Les yeux. Ah! Et c'est moi, Javert! Oh oui, c'est toi! J'ai kidnappé ton frère. Et si tu veux le revoir, tu dois parcourir entièrement ce labyrinthe. Bonne chance! Je suis vilain. Ça arrive qu'à moi. Hein? Ah oui, fun fact, saviez-vous que c'était un jongleur qui manipulait les boules à Bowie? On m'a dit de même. Quand j'étais jeune, je disais souvent la phrase suivante, mais pourquoi ils font pas un jeu avec ce film-là? Ça serait écœurant! Mais ils en ont fait un! Au Japon, sur la Famicom. Je sais pas quoi. Ludo! Ludo, ami! C'est bien toi? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais c'est toi qui m'as dit, là! Allez, Ludo! Aide-moi à parcourir ce labyrinthe! Je dois retrouver mon frère! Bon, bon, d'accord. Oh, ce générique me donne des frissons. C'est pareil là, avec la chouette et vous. Oh merde, c'est la version japonaise ça. Non, attends, je vends une version traduite, c'est sûr. Bon, ça c'est... Quoi? Je suis David Bowie, je porte du spandex. Mais c'est qui a traduit ça? C'est... Non. Ah, là c'est mieux! Bon, je dispose de 13 heures pour trouver mon frère! Allez, c'est parti! Oh. Les filles sont désagréables! On les voit juste au début dans le film! Les mouches à merde décollées! C'est pareil comme un film, je dois trouver la porte d'entrée du labyrinthe! Oh. Je suis rentré dans le labyrinthe! C'est une vue de haut, un peu comme Zelda, hein. D'ailleurs, c'est un RPG aussi. Oh, c'est la petite chenille bleue, pareil comme dans le film et tout, mignon, mignon, chouchou. Oh, 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 oh
pas se fier aux apparences, hein, que tout est une illusion, puis que c'est un faux mur, là, dans le fond, là. Comme dans le film. Voilà. Okay, c'est mal fait, mais on a passé le mur. Là, on est dans le labyrinthe. Là, ça commence pour vrai. Quoi, le temps en haut, là, c'est 13 minutes. Il avait pas dit que j'avais 13 heures pour trouver mon père. Ouais. Ok, par chance, on peut retrouver des petites horloges, hein, qui remontent le temps. On peut acheter du temps aussi. On va trouver plein de petites parties clés, hein. Pour avoir la grosse clé et avoir accès au village des gobelins. Il y a aussi un système de compagnons, hein. Pas mal. Pourquoi les compagnons sont tout le temps nuls à chier dans les jeux vidéo? Sérieux? Intelligence artificielle, mon œil. C'est un des jeux les plus durs que j'ai eu à jouer. Je dis pas ça parce que je suis the worst gamer. C'est vraiment pas facile. C'est tout un défi. Toutes 13 minutes. Puis David Bowie revient tout le temps avec son sac à tout bout de champ pour te rappeler que t'as perdu puis tu dois recommencer à zéro. Aïe. Je suis presque. Te revoilà, oh. Jared! Redonne-moi mon frère! D'accord! Cool, merci! Dis-moi trouver mon père! Dance, magic dance! Dance, magic dance! Gros merci à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout! C'était The Worst Gamer qui te dit jump! Magic jump! Jump, magic jump! Mon père. Jump, magic jump! C'était The Worst Gamer qui te dit jump! Jump, magic jump! Oh. My God, c'était un excellent épisode, tout ça. Ça me donne juste envie de jouer à un jeu des mopettes. Pas toi? Non. C'est excellent, ça, comme jeu. Kermit, dans son petit bateau. Allez! Quoi? Je peux rien faire à part la croix directionnelle! Qui c'est qui m'a foutu un jeu de merde comme ça? Es-tu tombé sur ta tête? Non, sérieux, c'est de la merde! Allez, petite grenouille! Oh, laissez-moi de chance! Ça va passer, zizi. Est-ce que je m'amuse? Oh, vous êtes sérieux, les mecs? Oh, God. The Worst Gamer Super Video Club. J'ai oublié de dire qu'ils pouvaient nous suivre sur Instagram. Oh, pis sur Facebook aussi. Sur Alvino Movie. Non, mais attends, accroche pas. Ouch! Dance, magic, dance! Whoop-a-ba-da-boo! Jump, magic, jump!